Depuis le début de l'année, au moins 7 femmes auraient été tuées par leur conjoint au Québec. C'est autant en 5 mois que pour toute l'année dernière. Or, il existe des portes de sortie d'une relation violente. Et pour des milliers de femmes, ce sont les maisons d'hébergement. Mais ces ressources manquent de place et la construction de nouveaux refuges coûte cher. Pourtant, ils sauvent des vies. Le reportage de Jacques-Audrey Charbonneau. Moi, j'étais très jeune, j'avais 16 ans environ, quand je l'ai rencontré à une fête d'amis. Mais je le trouvais charmant. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à découvrir des mensonges. De plus en plus isolée de ses amis et sa famille, Shirley a senti le début d'une dégringolade sournoise. Beaucoup de contrôle. Il me rabaissait beaucoup. C'était beaucoup plus psychologique, la façon que la violence a commencé dans mon histoire. Après ça, il a commencé à consommer de la drogue. Puis là, il a commencé à avoir des crises de paranoïa. Puis là, ça a commencé à être physique, la violence. C'était vraiment étouffant. J'en pouvais plus. Donc, j'ai mis mes enfants en sécurité. Puis j'ai dit, c'est assez, c'est terminé. Il m'a étouffée, il m'a étranglée, il m'a traînée par les cheveux jusqu'au salon. Puis à un moment donné, il a dit, tu bouges pas de là, je vais chercher un couteau. Mais j'en ai profité pour partir à la course, puis j'ai réussi à me sauver. Même après une fuite aussi violente, elle n'était pas convaincue d'être victime de violences conjugales. C'est en ayant accès à une ressource d'hébergement d'urgence qu'elle a compris. C'était une intervenante, puis elle m'a expliqué, elle a dit, mais viens au moins te reposer. Elle savait que je voulais retourner, mais elle a trouvé les bons mots pour faire en sorte que je retourne pas au domicile. Et moi qui pensais rester 2-3 jours pour me reposer, ça a duré 5 mois. Maison Secours aux femmes en choix. Ce sont des appels précieux auxquels répondent ces intervenantes chaque jour. De l'aide qui peut sauver des vies. Oui, il va essayer par différents moyens de reprendre un certain contrôle. Car le risque le plus élevé de féminicide est au moment de la rupture et les intervenantes des maisons d'hébergement peuvent parfois accompagner et préparer le départ de ces femmes qui, dans bien des cas, quittent le domicile avec leurs enfants en laissant tout derrière. 92 % des femmes qui sont tuées dans le cadre de féminicide n'ont pas vécu de violence physique durant leur relation. C'était principalement de la violence psychologique, violence économique, de l'isolement, du contrôle. Jessica Tremblay nous fait visiter cette maison d'hébergement à Montréal. Donc là, c'est la première chambre. Ici, il y a 5 chambres pour 5 femmes et leurs enfants, un refuge pour 15 personnes à la fois. En fait, on a un bouton panique qui est un bouton qui est relié à la centrale de sécurité. L'adresse est complètement secrète, les dispositifs de sécurité essentiels. Rien n'est laissé au hasard. C'est important qu'on puisse rester fondu dans la masse d'habitation. Et on a tout le volet de système de caméras, de système de portes barrées, les rideaux. Ici, les fenêtres sont rarement ouvertes, les rideaux sont fermés. On demande aux femmes de ne pas sortir sur les balcons. Mais ces places sécuritaires sont rares et les femmes en avoir besoin nombreuses. Ici, on refuse en moyenne 3-4 femmes par jour là, qui auraient besoin d'hébergement en urgence. Ça m'est arrivé d'aller reconduire des femmes à Rivière-du-Loup parce qu'on ne trouvait rien de proche de l'entourage de Montréal. Il reste en moyenne 3 mois. Ça, c'est ce que le ministère voudrait. Malheureusement, avec le contexte actuel, il reste plus longtemps, souvent. Des séjours prolongés dans les ressources d'urgence, ce qui engorge aussi ce qu'on appelle les ressources de seconde étape. Il y a une évaluation de la dangerosité et on va leur proposer de poursuivre un séjour avec les mêmes règles de sécurité et de confidentialité, mais cette fois-ci dans un logement. Sabrina Lemeltier dirige une de ces ressources. Là aussi, les besoins sont énormes. C'est d'ailleurs pourquoi elle porte aussi à bout de bras le projet d'une nouvelle maison dite de seconde étape. Alors, sur notre droite, il va y avoir une salle de jeu pour les enfants, les tout 14 logements doivent être construits ici et pourront accueillir jusqu'à 28 femmes avec leurs enfants chaque année. Des femmes pour qui le retour en communauté est encore trop dangereux. Ce fut le cas pour Shirley. Ce qui est différent, c'est qu'on est vraiment dans un appartement seul avec nos enfants. Réapprendre à faire à manger, s'occuper des enfants, réapprendre à avoir une routine. Mais ici, le chantier est à l'arrêt depuis l'automne dernier. Il fait partie de la vingtaine de projets, 630 nouvelles unités d'hébergement qui avaient été mises en veilleuse parce que jugées trop chères, à 900 000 $ la porte, avait déclaré la ministre Duranceau. On n'est pas des portes, dans le sens qu'on vient avec des services.
C'est important d'avoir une cuisine collective, de manger ensemble. Elles ne peuvent pas recevoir de visites. Elles sont, on ne veut pas recréer de l'isolement, qu'elles soient seules dans leur logement. Sans oublier les mécanismes de sécurité. Les fenêtres vont être changées. On va mettre vraiment des fenêtres avec un système de moustiquaires anti-intrusion. Depuis une levée de boucliers dans l'opinion publique et grâce à un exercice de contorsion financière, la construction de ce projet d'environ 11 millions de dollars va pouvoir reprendre cet été, mais pas sans conséquences. On a des coûts qui augmentent, donc chaque mois, c'est 20 000 dollars de plus. On va avoir une hypothèque, donc je vais devoir couper dans les services pour être capable de payer une hypothèque d'à peu près 100 000 dollars par année. C'est l'équivalent d'un poste et demi en moins pour accompagner ces femmes et ces enfants qui doit être coupé. Mais Sabrina y croit dur comme fer. Elles n'ont pas le luxe d'attendre. C'est nous qui recevons les appels téléphoniques. Hein? C'est nous qui les faisons des refus pour manque de place. Puis on y croit dans notre projet. Donc, il faut le réaliser. Shirley, non plus. Si vous n'aviez pas eu des ressources en hébergement, je serais morte. Je serais morte. Physiquement, la personne, quand tu la vois, là, une victime d'étranglement, c'est grave, mais tu sais, elle saigne pas. Elle n'a pas le bras cassé, tu sais. Fait que c'est, des fois, c'est que c'est grave à l'intérieur. Et la police de Montréal a lancé une campagne contre l'étranglement en contexte de violence conjugale. C'est une première au Québec. Des agents vont offrir une formation à d'autres policiers et à des procureurs pour améliorer leurs interventions auprès de victimes. Ces formations seront offertes dans l'est de l'île de Montréal pendant 18 mois. Seulement dans la métropole, au moins 10 femmes sont étranglées chaque semaine par leur conjoint. Ces femmes sont 7 fois plus à risque d'être tuées par leur conjoint violent par la suite.